Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre d'enfant du Crolet parce que, comme vous le savez peut-être, nous sommes en Belgique pour le moment et je suis super contente de vous présenter aujourd'hui le tout premier swap que je fais sur ma chaîne et j'ai eu la chance et le plaisir de le faire avec une de mes très très bonnes copines de blog qui s'appelle Caroline et qui a le blog et la chaîne Satin Taupe. Caro, c'est une fille que je connais depuis 2012 ou 2013, depuis vraiment le début de nos blogs respectifs. C'est une fille adorable, gentille. C'est une Belge comme moi, donc je l'adore encore plus. C'est une compatriote que j'adore et au fur et à mesure des années, eh bien, notre amitié virtuelle est passée au réel avec plusieurs rencontres entre blopines, comme on dit. Et en fait, on a toujours gardé contact et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je vous ai déjà présenté sa chaîne dans un Share the Love au début de l'année, je pense. Enfin, soit, vous l'aurez compris, Caro, je l'adore. Elle est vraiment une de mes youtubeuses préférées en plus de tout. Et si vous aimez entendre un petit accent belge dans les vidéos, surtout, surtout, allez voir sa chaîne parce que vous allez l'aimer aussi. Caro m'a proposé de faire un swap il y a plusieurs mois maintenant. Étant donné que je vis aux États-Unis et elle en Belgique, on s'est dit que ce serait bien de faire un swap un peu belgo-américain, c'est-à-dire qu'elle me prenait des choses plutôt inaccessibles aux États-Unis, et Dieu sait qu'il y en a, tout ce qui est naturel, bio, toutes les marques françaises par exemple, on ne retrouve pas tout aux États-Unis, et moi au contraire, je lui ai ramené des choses qui sont difficiles à trouver en Belgique ou en France. Donc si vous voulez voir ce que j'ai concocté comme swap pour Caroline, allez voir sa vidéo qui sera en barre d'infos. Voilà, voilà. Alors, comment vous dire que c'est lourd? J'ai plein d'enveloppes à ouvrir. Pour commencer, je suppose que je dois commencer par celle-là. Sparkle, Shine and Be Merry. Trop, trop joli. Le roman. Coucou ma petite biche, tu fais désormais partie du cercle très fermé des personnes qui savent à quel point je suis nulle en emballage cadeau. Je pense que tu vas rire en voyant les miens. Plus sérieusement, je suis ravie de faire ce swap avec toi, moi aussi. Je me suis bien amusée à trouver des idées de cadeaux qui j'espère te plairont. J'ai essayé de privilégier des produits bio et européens quand c'était possible. Merci. Histoire de dénicher des marques que tu ne trouves pas facilement à New York. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Les paquets sont numérotés et le menu en deux parties sous enveloppe. Enjoy, bisous, Caro. Et merci beaucoup. Je suis très très contente aussi. J'ai été plus succincte dans mon mot, mais entre le décalage horaire, le voyage, le rush d'amener le swap, je n'ai pas fait de menu, mais j'ai fait des petites étiquettes avec à chaque fois un petit indice, on va dire, sur le paquet. Mais allez voir la vidéo, vous comprendrez. Je vais donc commencer par le menu numéro 1. Enjoy. Oh, regardez comme c'est joli. Numéro 1, hydratation au top. Je viens d'enlever tous les papiers parce qu'elle avait mis des papiers, donc du papier crépon pour cacher. Non mais regardez-moi. Oh, j'arriverai pas à vous montrer. Il y a plein de paquets. Ah, c'est Noël avant l'heure. 2, 15, 14, 10, 18. Ah, un. Ouh, ça y est. Alors je tiens à dire tout de suite que tu n'es absolument pas nulle en papier cadeau. Voilà. Ou alors je suis nulle aussi et on a le même niveau, quoi. Je me prétends pas grande papesse du papier cadeau, mais ça va, c'est emballé, je veux dire. J'avais quand même un cadeau où il me manquait de papier, donc j'ai mis un petit mot en disant bon, fais pas attention, il y avait la pipette qui dépassait, quoi. Oh, on commence fort. Herborian, bambou waterlock, masque d'eau repulpant, hydroplumping mask. En anglais. Super! Je suis une grande fan de la bébé crème d'Herborian et en fait, je n'ai jamais testé d'autres produits de la marque, mais alors là, je suis vraiment très très curieuse de tester ce produit. Ouh! Est-ce que j'ai moyen de le sentir? Oh oui, ça sent le frais, vraiment, c'est. Je pense que ça va être un masque très agréable à faire le matin pour bien se réveiller, et si ça donne un coup de boost d'hydratation, c'est tout ce que je recherche. Alors là, très très bien, je pense que demain matin je le ferai. Autant vous dire que là, avec le décalage et tout ça, j'ai un peu forcé sur l'anticerne, hein, parce que ça va pas du tout. Ensuite, numéro 2, pour de jolies lèvres. Ah, voilà, non, ça c'est le 6, tout va bien. J'ai l'impression de voir un paquet, en fait non. Ah, voilà, 2. Excusez-moi, mais les paquets sont trop mignons, hein. Franchement, t'as été dur avec toi-même. Oh, Alverde, oh super, j'ai jamais testé cette marque. Ce sont des jumbo à lèvres, oui, matte lipstick, couleur lilac passion. Hop. Et rosé delight. Ils ont une toute petite odeur, ça se présente comme ça. Oh. Alverde, c'est une marque allemande, je pense, dont j'entends très souvent parler, justement, dans tout ce qui est bio, un peu plus naturel. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Allemagne, d'aller dans un DM, par exemple, là où on vend la marque.
Et donc je suis super contente d'avoir ces produits-là à tester parce que je ne connais pas du tout. Super, super, super. Numéro 3, j'ai adoré l'odeur. Ah voilà. Serait-ce un gel douche ou quelque chose du genre, ça allait. Oui, alors en plus de tout, je vais raconter toutes les anecdotes parce que j'ai pas envie que les abonnés de Caro pensent que je suis vraiment une malotrue. J'allais partir pour aller la retrouver pour lui donner son swap et j'ai refouillé mes valises et j'ai retrouvé deux trucs qui n'étaient du coup pas encore emballés. Du coup, je les ai tapés dans le sac comme ça, j'ai dit « Je suis désolée, il y a des trucs pour emballer !» Super. Oh, Santé Nature Cosmétique, encore une marque qu'on trouve en Allemagne, je pense. Vegan, bio, cruelty free, nature... certifié, nature... Natru. Waouh, à la figue, je suppose. Tout s'écrit en allemand. Bio Feige et Macadamia Nussol. Je suppose huile de macadamia et figue. Bio. Super. Ah, oh, j'adore. Magnifique. Alors déjà, le packaging, super. Je trouve ça très beau. Encore une fois, c'est une marque que je n'ai jamais eu l'occasion de tester, vu que introuvable, évidemment, aux États-Unis, mais même en Belgique, ça en trouve pas, faut vraiment aller en Allemagne. Donc, merci Caro, ça c'est vraiment le genre de marque que j'avais envie de tester. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. 4 gourmandises de chez nous. Où ça? What is that? Je savais. Oh, il y a de purs paquets en fait. Des spéculoos, oh oui. Non mais, elle me connaît trop bien. Oui. Chocolat du chat. Super, super. Mais alors, je pense que Caro le sait parce que je me plains de ça depuis que je suis partie aux États-Unis. Les spéculoos me manquent à fond la caisse, surtout avec le petit côté en chocolat. Mais alors ceux de Saint-Nicolas, c'est la petite Madeleine de Proust, hein, le souvenir d'enfance. Un paquet de spéculoos aux États-Unis coûte 3 fois, 4 fois le prix d'un paquet ici en Belgique. Donc, merci. Ça, je vais les garder bien précieusement. Je vais rentrer chez moi avec parce que oh, j'en ai pas encore mangé en plus depuis que je suis rentrée en Belgique. Merci, merci, merci. 5. Mon eau micellaire coup de cœur. Ah, ça, c'est très, très bien. Très, très chouette idée de mettre une eau micellaire parce que je me démaquille avec ça depuis que j'ai des extensions de cils. Donc, super. Je pense que c'est ceci. Ah non, je pense pas. Je suis sûre c'est le numéro 5, mon mot. C'est l'excitation, hein. Ah, La Roche-Posay. Super aussi. Merci beaucoup d'avoir mis cette marque dans le swap, Caro, parce que, encore une fois, La Roche-Posay, c'est beaucoup plus cher, comme Aven, comme Clarins Clinique. Ce sont des marques qu'on trouve à New York, mais qui sont 3 fois plus chères qu'en Belgique ou en France. Donc, super, merci beaucoup. Ça, j'ai bien hâte de l'utiliser, parce qu'il y a quelques années, j'utilisais l'eau micellaire ou l'eau juste démaquillante, toute simple, La Roche-Posay, je l'aimais beaucoup. Numéro 6, bronzer toute l'année. Ah, ça m'intéresse beaucoup. 21A, attends, tu rigoles. 21B, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais le 6, il est là. Il était juste devant mes yeux. Serait-ce un bronzer? À tout hasard. Ah, ça, si je ne m'abuse, le bronzer de Boho Green, c'est un bronzer que tu aimes bien aussi. Il me semble que j'ai vu que tu l'utilisais dans tes vidéos. Enfin, je dois dire que je suis bien contente d'avoir cette marque aussi. Elle est bio, c'est une marque avec une très bonne composition. C'est une marque française, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Et j'ai quelques produits de la marque Boho, mais j'ai plus l'occasion d'en racheter avant de partir de Belgique. Et évidemment, encore une fois, on ne trouve pas ça aux États-Unis, donc très très bien en plus. Je ne sais pas si je vois bien, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu irisé, donc c'est bien aussi. Pas spécialement pour faire du contouring, c'est comme je vous ai déjà dit, moi je mets du bronzer surtout pour me donner bonne mine, donc merci beaucoup. En plus, la taille du pot, quoi. Il y a 9 grammes, le pot est énorme. Super. Numéro 7, What the Flute. What the Flute, c'est une expression que j'ai sortie une fois quand je voulais faire une vidéo What the Fuck, donc les produits un peu bizarres, et en fait c'est resté. Et qu'est-ce donc? What the Flute, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, ben voilà. Elle met clin d'œil au Blopine. Un crayon avec une gomme licorne. Et des chaussettes licorne. Trop chou, trop beau, j'adore. Génial. En plus, petite confidence, je n'ai pas pris assez de chaussettes pour partir, donc merci. Merci de me dépanner. Numéro 8, pour tes jolis crolls. Et parce que vous me demandez souvent pourquoi j'appelle mon mari le crollé. Et c'est parce qu'en fait, croll, ça veut dire boucle en wallon. Et ça vient du néerlandais, du flamand krul, qui veut dire boucle aussi. Et donc, en français, en Belgique, on dit qu'on est crollé. Moi, je suis crollé, et
Et mon petit crawlé, ben, c'est parce qu'il a les cheveux bouclés. Donc, pour tes jolis crawls numéro 8, juste devant moi. Sauvage. Oh, oh, oh. Maui Moisture. Curl Quench. L'accent belge, le retour. Curl Quench plus Coconut Oil. Ça a l'air d'être un lait pour cheveux épais et bouclés, hydrate, adoucit et défrise avec de l'huile de noix de coco, de l'extrait de papaye et de l'extrait de plumeria. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je ne connais absolument pas cette marque. Le jus d'aloe vera est le premier ingrédient de la liste. La composition a l'air très très bien. Ah bah tiens, c'est fabriqué aux États-Unis. Donc il y aurait peut-être moyen que je trouve ça aux États-Unis. Pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de parabène, pas d'SLS, pas de sulfate surfactant, pas de coloration synthétique dans le produit, pas de ALES, vegan avec de l'eau de noix de coco pure et de l'aloe vera. Impeccable ça, c'est vraiment parfait pour mes cheveux. Oh, et alors ça sent bon. Effectivement, un très très chouette mélange entre la noix de coco et le fruit, la papaye, mais pas écœurant, parce que ce sont deux odeurs fortes, je trouve. Oh là là, j'adore. Merveilleux. Depuis que j'ai fait mon balayage, en plus, j'ai les cheveux beaucoup plus secs qu'avant. Et du coup, j'adore utiliser ce genre de produit, soit en toute petite touche pour définir mes boucles, quand les cheveux sont encore un peu humides, et puis ensuite, quand ça sèche, ça fait des belles crolles. Ou alors, carrément en masque, avant d'aller dormir. Et alors là, j'en mets une grosse quantité. Donc, super, quoi. Mais ça, ça va vraiment être une belle découverte, je pense, parce que je ne connais absolument pas cette marque. Numéro 9. Une artiste a besoin de bons outils. L'artiste a besoin de bons outils. 11, 12, ah 9. Serait-ce des pinceaux? J'essaie de deviner à chaque fois parce que je me dis artiste. Moi? Oh, Zoéva! Waouh, super! Oh, génial! Un pinceau estompeur, en plus j'en ai genre un. Super, alors là, je suis vraiment très contente parce que des pinceaux, j'en possède pas beaucoup. Et du coup, à chaque fois que je fais un maquillage, il faut tout nettoyer, vous savez bien le merveilleux train-train des pinceaux. Donc là, c'est vraiment génial. Je vais le libérer de sa cage. Oh, il est doux! Oh, oh! Merci beaucoup, Caro, ça c'est encore un super, super choix. Numéro 10. Ma marque new-yorkaise de soins préférée, il faut que tu testes. Entre parenthèses, goodies. Ah, Kiehl's. Ah, j'en étais sûre, ça. Ah, trop bien. Ça, c'est super chouette aussi, parce que Caro me parle très souvent de la marque Kiehl's, effectivement, qu'elle aime beaucoup. Et j'ai jamais fait le pas d'aller dans une boutique, alors que j'ai la boutique originale, la toute première boutique qui a ouvert il y a je ne sais combien de dizaines d'années. Voire, attendez, c'est... Oui, de dizaines d'années, de centaines d'années, c'est ouvert depuis 1851. Donc c'est ça, c'est là, vraiment la boutique d'antan, juste à côté de chez moi. Donc écoute, c'est super parce que là, elle m'a donné toute une sélection de sérums, leave-in treatment, donc pour les cheveux, un toner, un cleanser, le Midnight Recovery, super, et encore un petit sérum hydroplumping. Super, parce qu'effectivement, je vais pouvoir tester la marque sans d'abord acheter, sans savoir si ça me plaît ou pas. Donc, merci beaucoup. Et numéro 11, le dernier du menu numéro 1, elle a juste mis « J'adore ». La gosse, là, comme à Noël, qui secoue la boîte pour voir ce que c'est, pour essayer de deviner. Oh, effectivement, je pense encore un favori de Caro. C'est un fard fondant, regard, couleur reflet lissant, tenue anti-migration. Ah, tenue anti-migration. J'ai tout lu en une fois. Donc c'est, si je ne m'abuse, une ombre à paupières, voilà, en stick. De la marque By Terry, qui est une très très belle marque aussi, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et oui, effectivement, je te reconnais bien là. J'adore aussi ce genre de crayon. Vous savez que je suis hyper fan des crayons Kiko, dans le même genre. Mais je n'ai jamais testé que ceux-là. Donc là, je suis... Oh, waouh. Je suis bien contente de pouvoir tester la marque By Terry. Non, mais vous avez vu cette pigmentation. Le truc a l'air super crémeux. Donc... Ça va faire partie, à mon avis, de mon maquillage de Noël. Je vous montrerai ça, bien évidemment. Deuxième menu, avec une jolie carte également. Numéro 12, une solution pour ta peau mixte déshydratée, pour l'interrogation. Vous savez que je me plains tout le temps d'avoir la peau mi-grasse, mi-déshydratée. Extrêmement embêtant. Donc, aurions-nous une solution? Ah, encore du La Roche-Posay. Hydraphase intense légère. Attendez. En français, ce sera plus facile qu'en flamand. Peau sensible, normale à mixte, soin réhydratant, comblant, 24 heures, à l'acide hyaluronique. J'ai entendu également beaucoup de bien de cette gamme de La Roche-Posay. Et encore une fois, c'était un achat que je ne faisais pas à New York parce que je préfère acheter des marques françaises de l'autre côté de l'océan. Donc ça, c'est vraiment très bien. En plus, c'est
C'est un format de 50 ml, donc j'ai quand même de quoi faire. Oh, en plus, le pot est trop beau. Le flacon, plutôt, la petite bouteille. Ça, j'adore vraiment les flacons pompes comme ça. Je trouve ça super joli, super élégant dans la salle de bain. J'ai bien hâte de commencer ça. En plus, je termine ma crème de jour, donc super. Je ne sais pas combien de fois j'aurais dit le mot super dans cette vidéo, mais enfin... Numéro 13, vanille sous la douche. C'est juste là. Un gel douche, peut-être ? Oh, cottage ! Je reconnais. Waouh, super ! Elle a bien emballé avec du papier collant et je vais pas déballer parce que je vais le ramener avec moi aux États-Unis, donc faut que ça aille dans l'avion. Et en plus, je connais déjà l'odeur, mais j'adore les gels douche cottage. Et ça, c'est une marque qu'on ne trouve pas non plus aux États-Unis et que j'aime beaucoup. C'est un gel douche plutôt crème de douche, très hydratant, très onctueux. Donc super. Merci, ça j'adore aussi. 14, à défaut du Gimme Bro de Benefit. Oui, à défaut du Gimme Bro de Benefit, parce qu'en fait, on s'était fait chacune une petite wishlist, un petit questionnaire pour voir quels sont nos goûts, qu'est-ce qu'on ne veut pas non plus, parce que... Il y a des choses qu'on ne souhaite pas recevoir dans un swap, c'est normal. Et moi j'avais dit, ben tiens, j'utilise pas de crayon pour les sourcils ni rien du tout, mais éventuellement, un produit du style Gimme Bro, ça m'intéresse. Et Caro m'a dit, j'ai cherché partout et on m'a dit qu'il était discontinué. Et moi je suis allée dans des Sephora pour faire des petits achats pour elle. Et en fait, le stand Gimme Bro, il y a encore le stand, mais c'est vide, tout est vide. Donc est-ce qu'effectivement c'est discontinué aussi aux États-Unis, je ne sais pas. Mais voilà, Caro, tu avais raison, même chez nous on ne le trouve pas. Ah, ça c'est génial. Ça j'adore. Je l'avais déjà acheté il y a plusieurs mois, mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai toujours gardé la brosse parce que je l'adore, mais que j'avais plus de produits dedans, et donc du coup, c'est très très bien, parce que Catrice, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, qu'on trouve en Europe et aux États-Unis, mais un petit peu moins facilement quand même, et de toute façon, c'est un indispensable de ma trousse de beauté, donc génial. Numéro 15, pour sublimer tes beaux yeux. Et maintenant, j'ai tout sur mes genoux, donc je ne dois plus trop chercher. Les crayons. Encore de la marque Alverde, chouette. Kajal Eyeliner en couleur smaragd et Flaum. Il y a des gens qui parlent allemand, vous allez bien rire je pense. Hein. C'est une belle couleur vert sapin et un marron. Et ça c'est très très bien parce que j'adore le vert sapin, mais je n'en porte jamais parce que je n'ai pas de produit de cette couleur. Sauf depuis que j'ai reçu la petite palette sleek de fard à paupières dans mon calendrier de l'Avent. Donc ça va être génial, j'ai un fard à paupières maintenant et un crayon. Oh il est très joli, il est vraiment métallisé. Il a l'air bien pigmenté aussi. Et le marron, non c'est pas marron, qu'est-ce que je dis? Je me trompe, ça veut peut-être dire prune en fait, flaume. C'est du prune en fait, presque du violet, non plutôt prune. Ah ben encore mieux, parce que ça non plus je n'ai pas, et je trouve que c'est une très belle couleur, et effectivement ça va très bien aux yeux bleus. Êtes-vous prêts, le Crolet et toi, 18 du 6 2018. Numéro 16, ah c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Le foot? Il y a une coupe qui commence? Excellent! Une main gonflable avec le drapeau de la Belgique. Une écharpe Belgium. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, des applaudisseurs. Donc vous savez, les trucs qu'on gonfle et on clappe comme ça des mains. Une perruque. Mettez des pouces en l'air et des commentaires si vous voulez que je fasse un maquillage spécial Belgique pour le foot. Fier de Bruxelles, dites-le avec une affiche sur votre fenêtre. Ben voilà, les gens vont rien comprendre à New York. Sauf que les Américains adorent les choux de Bruxelles. Donc si je mets Sprout to be Brussels, ils vont adorer à mon avis. Effectivement. Génial. Alors là, c'est trop drôle. Je pense que le Crolet va bien rigoler. 17. Bonus. Cadeau reçu de la marque, mais tu l'utiliseras mieux que moi. Monsieur Big. Ah oui, tu en as déjà parlé, si je ne m'abuse, de ce... Ah non, là c'est l'eyeliner. Toi, tu as déjà parlé du mascara, je pense. Eh bien, écoute, ça c'est vraiment très très bien aussi, parce que j'adore tester les eyeliners. Alors là, effectivement, Monsieur Big est big déjà dans son packaging. Hein. Oh, je m'attendais pas à ça. On dirait un Sharpie, un marqueur indélébile. On a l'air de savoir faire plusieurs traits différents. Ça m'intrigue beaucoup. Eyeliner feutre, noir, intense, fini, vinyle. Super, ça change des maths. Résultat intense en un passage. On peut faire pointe biseautée, pointe fine, pointe douce, noir ultime. Jusqu'à 24 heures de tenue. Ah ben ça, je suis super contente aussi de tester parce que je ne connais absolument pas les eyeliners Lancôme, donc merci beaucoup. Ensuite, 18, inspiration, motivation. You have the potential to make beautiful things, yes you. Ah, magnifique. J'adore ce genre de quote. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en mets tout le temps sous mes photos. Et ça va aller dans ma petite pièce, ma chambre d'amis, là où je filme très souvent. J'aime bien mettre des petites...
phrases comme ça au mur et on est en train de décorer comme ça avec le crawler, donc c'est vraiment très très joli. Je vais essayer de voir si je trouve un petit cadre pour mettre la carte dedans. En plus elle est magnifique, rose très très pâle avec écriture en rose gold. Merci, j'adore. 19, pour nourrir tes sublimes cheveux. Oh mais il y en a plein pour mes cheveux, dis donc. Avril, ah, le masque capillaire au beurre de menthe bio. Ah, super. Alors là, Avril, c'est une marque que j'ai connue avant de partir de Belgique, que j'ai eu l'occasion de tester aussi grâce au rendez-vous beauté, mais pas que, et j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que c'est une marque qui a une très belle éthique, les prix sont mini, donc c'est vraiment super. On peut pas dire le bio c'est cher, avec cette marque-là, c'est pas possible, vous avez des mascaras genre à 4€, donc c'est vraiment comme ça. Et je n'ai jamais testé leurs soins, par contre, donc là, je suis très très intriguée aussi, certifiée par Ecocert Green Life, selon le référentiel Cosmos. Très très bien, franchement, en plus. J'ai une affection toute particulière pour cette marque parce que Avril, c'est le mois de ma naissance, c'est le mois de mon anniversaire, donc inconsciemment, j'aime bien. Je vais pas en vélo percule, mais malgré ça, je sens déjà la mangue. Ça a l'air de sentir très très bon et j'aime bien parce que le packaging est super simple, super épuré, un peu minimaliste et même limite un peu rétro. En plus, c'est un gros tube, ça fait 150 ml. Vraiment très très bien. Les biches, je sais que j'arrête pas de dire super, donc s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à compter tous les super, vous revenez en arrière et vous mettez le chiffre en commentaire, ok? Numéro 20, trousse rose, du rose aux joues. Très très belle petite trousse. Oh, la Vera et Alverde. Magnifique! Waouh! Deux blushs, une couleur abricot et une plume. Plum Blossom. Mais ils sont magnifiques, dis-moi. Ça, c'est quelque chose aussi que je suis très contente de recevoir parce que je n'ai pas 36 000 blush, bronzer, highlighter. Donc, avoir un petit peu de diversité dans ma trousse, ça va faire beaucoup de bien. Et en plus, pour tester des marques de maquillage bio, ben, c'est génial. Numéro 21, échantillon d'une marque de soins très connue chez nous, mais pas aux USA. 21A, 21B. Je pense que je dois ouvrir les deux. Ah, Rituals, génial. Ah, ça, c'est très très bien aussi. Happy Buddha, en plus, c'est une odeur que j'adore. Ah oui, j'adore. Shampoing et après shampoing. Non, si, c'est ça. Shampoing et après shampoing à l'huile d'argan et à l'eucalyptus. J'adore la gamme, le rituel du Happy Buddha. Donc c'est super. En plus, pour voyager, pour les prochains voyages, ce sera très très bien. Et effectivement, Rituals, on a des boutiques, en tout cas à New York. Mais c'est pas une marque dont on parle énormément. Et 21B, body lotion et bath and shower gel, orange douce et cèdre. Ah ouais, c'est mon odeur préférée chez eux. Alors là, je pense pas que je te l'avais dit, mais j'adore tout ce qui est cèdre, orange douce. Déjà, c'est pas vraiment j'adore, mais alors là, merveilleux. Merci. Et le numéro 22, pour une peau douce et parfumée. Ça a l'air d'être un gros pot. Oh, encore du Rituals. Au lotus blanc et au yi yi ren. Une crème riche et nourrissante pour le corps. Waouh, 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 waouh. Oh, le pot, quoi. Bon, si c'est bien ce que je sens au travers de l'opercule, oh, ça a l'air de sentir très très bon. Et alors là, t'as tapé dans le mille parce que je viens de terminer mon beurre corporel de The Body Shop et je n'ai pas eu le temps d'aller en racheter encore. Donc c'est vraiment très très bien. Alors là, je suis enchantée, vraiment. C'est la première fois que je fais un swap sur ma chaîne, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est la première fois que je fais un swap avec une blopine. Donc j'avais vraiment pas de crainte parce que de 1 on se connaît, de 2 on s'est demandé, comme je vous ai dit, nos goûts, nos wishlists et tout ça. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à adorer autant tous les produits. Parce que parfois il y a des trucs, on se dit oui c'est bien, mais enfin soit j'ai déjà, soit j'aime pas trop. Alors là vraiment je regarde devant moi, tout est super. Oui, vous avez deviné. Des produits de soins, des produits pour les cheveux, du maquillage, des petites gourmandises, un petit peu de déco. Que demander de plus, vraiment? Caro, tu m'as fait un swap de folie. Je suis plus qu'heureuse et je suis bien contente d'avoir pu passer un tout petit moment avec toi, même si c'était très bref. On se refait ça quand tu veux. Et merci, merci, merci. Je ne sais quoi dire d'autre. J'ai été pourri gâtée. J'espère vraiment que mon colis t'aura plu aussi. Et j'ai bien hâte de voir ta vidéo. Au moment où la mienne va sortir, j'aurais peut-être déjà vu la tienne. Puisqu'on va sortir nos vidéos le même jour, à la même heure, on va faire ça en synchronisé. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que Caro m'a offert, si vous les aimez, si vous les détestez, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse toujours. Et encore merci, mille merci, vraiment, tu m'as vraiment beaucoup gâtée. Oh, je suis vraiment émue. C'est vraiment chouette d'avoir des amitiés comme ça grâce au blog, grâce à YouTube, et je vous encourage vraiment, vraiment à aller vous abonner à la chaîne de Caro parce qu'elle le mérite, et elle n'a pas assez d'abonnés à mon goût. Donc, si vous vous abonnez à sa chaîne, allez mettre un commentaire sous sa vidéo en mettant « Je suis une petite biche, je t'ai connue grâce à Harmony », ou mettez plein d'emojis petite biche, comme ça, on lui envoie de l'amour, ok? Allez, mes petites biches, là maintenant, je file, je suis en retard pour aller manger chez ma maman, elle va me taper sur les doigts. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à demain. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.